Salut, salut. Alors, on se retrouve pour commencer, les gars. Blumberg, pardon. Donc, c'était une petite ville en ruine, apparemment, de ce qu'on a entendu avec les prisonniers. Mourant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tenez bon. Oh non, tenez, buvez cette potion. Premier secours, ne bougez pas, laissez-moi vous soigner. À l'aide de ma trousse de premier secours. Coup de grâce, sinon. Non, allez, premier secours. Oh, j'ai mal. Vas-y, un point vers bon. Toujours agonisant. Ah non, indemne. Merci mille fois, étranger. De rien. Qui vous attaquait? Comment ça, nous? Je ne crois pas, non. Quel est ce bruit? Je vais te protéger. S'il vous plaît, là. J'ai quand même cramé. Un son de premier secours, les gars. Bon, bah, c'est pas grave. Merci. Bon, c'est pas grave, ça m'a allégé de 500 grammes. la map est toute petite ici, c'est plutôt cool. Vous êtes tellement minable. J'adore écraser les mecs comme ça. On se sent tellement puissant, c'est abusé. Je dis ça, mais ils me mettent des claques, hein. Mais c'est quand même marrant. Parce que moi, du coup, je les poutre, quoi. Avec n'importe quel sort. Bon, peut-être pas raison, j'y vais non plus. Hein. Bon, non, on garde ton armure de plaque qui pèse une blinde. Tu vas essayer d'ouvrir cette maison. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Oh, la boutique de Dekin. Bonjour, Dekin. Je viens de Dekin. Mais il n'y a encore rien de neuf. Ouais. Il vaut mieux que je m'en aide. Que je m'en aille. Ouais, bah je reviendrai le voir à Dekin quand j'aurai tué Timo Farah, le dragon. On continue, on va pas perdre de temps avec ça. Donc là c'est brûlé, y a pas de caisse derrière les maisons. Non. C'est une zone qui va être quand même plutôt rapide à faire. Hein. Parce qu'en fait j'ai déjà fini. Tu lootes? Non, tu lootes pas. Et bah voilà, on se casse. Il y a deux restes, attends. Ah voilà. Flèche perforante. Encore, ça faudra des sous. Avec Stonehenge, on voit pas les objets avec lesquels je peux interagir. C'est bon. Palapalapalapam. C'est clair que je ferai pas une vidéo sur cet endroit là. Quoi. Ça fait quoi là? 2 minutes que je joue. Bon. Par contre, les artefacts, du coup, j'ai. Il y aura la statuette, j'ai la main. C'est quoi les autres artefacts? La dent. Il y en a 4. Je sais pas c'est quoi le dernier. On continue quand même d'explorer un peu les contreforts, tant qu'on y est. Là il y a que dalle, on monte. Salut. C'est 7 points de dégâts le crash. Ouais, vraiment sympa je trouve ce petit cycle. Ça change du coup parce que dans le classique c'était tout le temps les mêmes. Mais là ils en ont mis quelques nouvelles. C'est vrai que dans les jeux en principe j'écoute jamais trop les musiques, mais c'est vrai que dans Neverwinter ça ajoute un petit truc. Salut Nathan. Oula étranger, si vous cherchez du bulletin, passez votre chemin. Qui est dur à prendre dans cette maison. Nathan Hurst est plus féroce qu'une meute de loups, blablabla, blablabla, blablabla. Vous aussi, vous avez eu des ennuis avec les kobolds, blablabla. Dites-moi davantage, je pourrais vous aider. Je peux vous aider. Voilà, tac. On lira les 4 après, je rentre. Garçon de ferme. Tolly Hurst. Ma petite fille chérie. Ah, je te prends ça. Ferme avec une barre, je pense. On va peut-être faire que les contreforts, remarque là. On va peut-être pas recommencer une nouvelle zone. Alors, la quête c'est Saccharum. Ouais, Saccharum, ouais. Veut une femme. Nathan Hurst, un colon du Hagar, des contreforts de haute colline, et désespéré car sa fille était kidnappée par Saccharum, pardon, un géant des collines. Il l'a emporté dans sa tanière quelque part à l'ouest.
Ok. Un ours noir. Non, ours noir, ne me tue pas. Non, non, non. Oh, oh, bon cerf. Attendant que je le vois. Alors, par contre, pour l'atteindre, je sais jamais. Si, c'est bien ça là-bas. Attends. Vite, vite, descends plus vite. J'espère qu'il va pas se tailler. Il faudra que j'enregistre juste avant parce que. Je sais pas si je le tue ou pas en fait. Alors, ombre serre, ombre serre. Comment que je te rejoins? Allez, oui. Salut toi. Pas tarder à revenir te voir du coup. Parce que t'es accueillant comme ça, mais bon. Faut se méfier. Ombre serre. Fuir, ombre serre. Non, fuis, ombre serre. Les chasseurs ne sont pas loin. Le cerf blanc vous regarde d'un air ombrageux. Tandis que ses flancs se soulèvent au rythme de sa respiration. Un nom vous vient immédiatement à l'esprit pour accompagner cette image. Ombre serre. Deux points vers bon, 200 XP. Par contre, à ce moment-là, les gars. Ça va pas le faire. J'enregistre avant, c'est ça? Ouais. Donc on va voir si je peux quand même discuter avec l'autre. S'il m'agresse tout de suite. Il me faut des points verbons. J'aurai pas de points verbons si je le tue. Mince, je peux pas lui parler de... d'ombre serre du coup. Dites-moi ce que vous est arrivé. Avez-vous autre chose? Vous nous avez ni attaqué ni suivi. Ah non, alors attends. On charge. Et je vais le tuer. Voir si je récupère plus d'XP. J'aurai pas les points vers moi, à mon avis, c'est mort. S'étaler un peu loin ou pas trop, parce que c'est pas fini, je pense pas. C'est qui ça? C'est le cerf? Enfin, c'est merde. Oh l'enfoiré, essayer de lancer un projectile direct, pas de l'aggro avec un carreau. Maintenant, je sais pas si les sorts fonctionnent comme ça. Un sort de zone, ça aggro pas quelqu'un qui est neutre par défaut, mais un sort mono cible, je pense que si. Maintenant, faut que je le tue d'un coup. Le projectile, je pense que ça passe sur quelqu'un. Ah ouais, c'était sûr. Alors vas-y, cast tout de suite, vite vite, cast 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 cast. Mais mec, franchement, je sais pas pourquoi j'ai des bonnes de rapidité. Bon, j'ai oublié de le taper au moins une fois, ce serait bien que mon mec... Prends ton temps, voilà, il fait pareil. T'es incroyable, hein. Oh putain. Bon. On laisse tomber le fléau, on va essayer une boule de feu, voir s'il se décide à la casser plus vite. Mais si je vois une chose passer, c'est pas la peine quoi, il se taille. Sort de contrôle, j'en ai pas du coup, j'en ai aucun. Cela va pas. Allez, tire dans le sol, tire dans le sol, je m'en fous, mais tire. C'est fait exprès, j'ai l'impression, quoi, c'est...
Je t'ai trouvé, mais en fin de compte, j'aurais pas dû te voir parce que tu m'agaces. Et en plus, ça sert à rien, ça se trouve, de te tuer, ça. En même temps, ça me fait chier, quoi. Si t'étais vu comme t'es chiant à tuer, je suis sûr que la récompense est sympa, quoi. Mais où est-ce que tu repop? Allez, je laisse tomber pour l'instant, on verra plus tard. On va commencer par clean la zone et on verra plus tard. Ok, alors c'est là qu'il est le Saccharum. Chante plus ou moins. Saccharum, être heureux avec femme qui cuisine. Moi, rien n'affiche à quoi elle ressemblait. Si elle, être petite, moi pas crier. Quand elle cuisinait, sentir bon partout. Et quoi vous faire ici? Vous pas rester là. Sauf si vous venir pour moi manger vous. Vouloir être cuisiné par femme de moi. Alors je viens sur le BK, perception, vous avez une voix superbe, c'est elle qui m'a attiré. Succès, ça va être gentil et moi pas manger vous. Quoi vous vouloir dans la caverne de moi? Je peux parler à votre femme. Pourquoi parler à femme? Elle peut parler beaucoup, elle surtout pleurer et crier, comme maman de Saccharum. Vous pensez vous pouvoir parler à elle, mais être gentil, sinon Saccharum frappez-vous dans la tête. Ouais, sympa. Salut. Je suis censé faire quoi du géant là? S'il vous plaît, venez m'aider. Il faut à tout prix que je sorte d'ici. Rien que l'odeur va finir par m'achever. Alors, je suis censé faire quoi du géant là? Pour quelle raison devrais-je prendre un tel risque? Voyons ce que je peux faire. Je ne veux pas être un fardeau, mais j'aimerais autant ne pas passer toute ma vie ici à servir un géant alcoolique. Et je te demande ce que je peux faire. Il s'est monstrueusement attaché à moi, mais vous arriverez peut-être à le persuader de me laisser partir. Ou à le saouler. Le rhum, c'est son péché mignon. On peut essayer d'attendre son prochain repas. Je peux lui préparer un bon ragoût de cobalt. Il a tendance à s'endormir après le souper. Mais il va falloir que vous fassiez le profil bas. Tentons le coup, je n'aime pas ce plan. Il vaudrait mieux essayer autre chose. Il se trouve que j'ai ici poudre spéciale, poudre de suffocation. Je pourrais vous en donner pour mettre dans sa nourriture. Vas-y, on teste. Une poudre spéciale, vous voulez dire du poison? Je ne veux pas le tuer, je suis sûr que je peux le faire s'endormir sans ça. Faisons comme vous le souhaitez. C'est une poudre de suffocation. Il mourra peut-être pas. Bon, allez, faisons comme vous le souhaitez. Très bien, je vais mettre le paquet sur l'assaisonnement pour qu'il s'empiffre. Mais n'oubliez pas de le faire le moins de bruit possible et revenez me voir pour que je vous dise où en sont les clés. Ok. Alors, on se taille. On re-rentre. Je sais plus comment est-ce qu'on l'a fait cette quête, hein. Mais on va tester. Re-rentrons. Chut. Faites silence pour ne pas le réveiller. Ah, tu parais que les clés sont dans les débris là? J'ai un mode silencieux normalement. Activer le mode silencieux, ça pourrait être une bonne idée. Alors, persuasion, succès, je viens. Mais c'est une naine, écoute, non. Merde, j'ai pas fait la bonne chose, mais c'est une naine. Vous êtes un géant idiot, Noël ne grandira plus.
vous allez faire un très beau couple, voilà. Je parle à votre femme. Ouf, heureusement qu'on peut sauver le coup des fois dans les conversations. Salut toi. Que voulez-vous ? Faire quoi du genre là ? Ok, tends ton cou. Un dialogue. Hop. Je sais pas si je réussirai, parce que franchement je suis pas classe de roublard et tout ça, ils s'en foutent, ils réussissent d'office. Hein. Mais bon, moi je suis mago quoi, déplacement silencieux c'est quand même pas le truc où je suis plus OP. Alors, t'es où déplacement silencieux? Mode furtif. Louer, faire cadin, nanana, et dans les vapes, faites vite, je l'ai vu déposer la clé près de sa natte. Voilà, faites exprès. Hein. On devrait peut-être parler d'abord. Je m'en charge. Ça a désactivé le mode silencieux là, non? Quand je vais parler. Activé. Ouais. Tu me fais une réussite, mec. Hein. Réussite, c'est bien. C'est bon. Clé. Dame les dames. Je sais pas si le popo d'invisibilité fonctionnerait. À partir du moment où il est réveillé, je pense que ça vous la quête en l'air. Et puis en plus, il faudrait que j'ouvre la porte d'office, donc il me verrait. Ah, salaud. Non, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas parler à la naine déjà. Si j'ai pas le droit à trop de déplacements silencieux à la suite. Tu vois qu'il ferait pop la clé dans les débris que si j'avais dit que si je discutais avec la meuf. Ce serait abusé. Non c'est bon. Ok. Déplacement silencieux réussite. Ok. Que voulez-vous ? Je m'en charge, fin de dialogue, alors attends, réactive, genre. J'ai pas besoin de. Voilà. Taille-toi, taille-toi, taille-toi. Je suis toujours en déplacement silencieux. C'est bon, ça marche. Merci de m'avoir sauvé la vie. J'ai bien cru être coincé ici, marié à vie à ce géant, au croupide et au cerveau minuscule. On se reverra là-bas dans ce cas. Qui a dit que vous étiez en sécurité? On va arrêter. Hein. Vas-y, on va essayer d'être sympa un petit peu. On enregistre. Maintenant, on va revoir le géant. Voir si on peut quand même dire. Enfin, peut-être lui proposer autre chose. Je sais pas. Il y a quoi là-dedans? Fait tout, ouais. Mais démarrer. Ah bah tiens, c'est qui on voulait démarrer déjà? Ah, tu m'aggro direct, mec? Oh, on aurait pu faire ami-ami. Hein. Par contre, tu tapes super fort. Hein. Et en plus tu résistes à un fléau toi. Est-ce que tu résistes à une boule de foudre? Oh la vache. Oh, quand on devait commencer le jeu, ça doit être un putain de champion ce mec là. 12 XP quand même, il m'en donne 12 hein. Tu veux quelque chose? Non. Oh, il a une petite boîte, enfin une grande boîte. le poisson je te le laisse. Concentration, il a la clé, d'ailleurs les clés je les ai toujours. Non, elles ont été utilisées, c'est bon. Hop, après bouteille d'alcool vide. Même c'est une bouteille d'alcool, c'est pas une bouteille vide. Je la prends comme souvenir. Ah il y a quoi derrière? Tas de pierres. Vous distinguez derrière ce tas de pierres un petit A rampé dans l'obscurité. Ah c'est un moyen de fuir, c'est ce qui me semblait. Qu'il y avait un moyen pour... Ouais parce qu'en fait je crois qu'il y a un autre choix. C'est dire à l'ogre qu'on remplace la naine en fait. Donc comme ça la naine se barre. Et nous on peut se barrer comme ça tranquillou. Et ça évite de combattre un monstre qui à mon avis a, au niveau je sais pas 3, 4, 5 hein, toujours dans ces eaux là. Et impossible. Et vraiment impossible. C'est quoi ça? Entrée du passage vers la porte, ok. Donc pour ce qui est de ce côté-là...
je me perds dans la map, voilà, ici. On a une petite pente à faire, on ira rendre la clé, la quête tout à l'heure. Alors par contre en haut, qu'est-ce que j'ai à faire encore? Je sais plus s'il y a quelques kobolds ou s'il y a une grotte à faire. Parce qu'en fin de compte, l'endroit de la zone de Timofarar, là, je sais plus. Ah bah c'est là, qui s'appelle Vers les mondes d'Ether, ça va être ça. Et je vais faire la gauche rapido, même si j'ai pas grand chose. Et du coup, là, pour compléter la vidéo, je vais essayer de me réoccuper de cette ombre serre là. Il doit repop en quelque part, mais je sais pas où. Et y a rien du tout en hauteur. Même pas un petit. Non. Un petit coffre caché. Bon. Dommage, faux espoir. Je sais pas si. Oh là, il repop près des. Près des cascades, ça me dit quelque chose, mais. Ce qui me ferait chier, c'est vraiment que je me prenne la tête avec ça, alors que ce qui rapporte le plus d'XP, ce serait de le laisser vivre. Mais bon, on teste quand t'as des options comme ça. Dans tous les cas, le mec, je peux le tuer après, hein. C'est pas le souci, mais c'est pas ce qui me rapportera l'XP non plus. Salut. Alors, je gagne 150 XP avec une amulette. Tu me donnes pas de points verbaux. Je vais quand même parler à la meuf, voir si elle me donne autre chose encore. Là, j'ai un petit peu d'espoir, mais bon. Salut. Fin de dialogue, ok. Et la mère, elle est contente? Fin de dialogue. Oh, c'est sympa. Je reviendrai moi ici. Je vais quand même voir ce que c'est l'amulette. L'amulette de protection, enfin un truc pourri quoi. Quand t'as rien, c'est toujours ça, mais bon. Quand t'as quelque chose, c'est la merde. l'amulette. Ouais c'est ça. Une amulette d'armure naturelle. Bonus d'armure. Hein. C'est exactement ce que je disais. Ok, ok, ok. Alors, on va aller voir notre petite ombre serre. Ah, corps. On peut cliquer dessus? Ah, fin de dialogue. On peut juste les examiner. On n'a pas fait gaffe. C'est vrai que la neige, c'est vachement gênant. Bon, bah du coup, je lance juste un carreau. J'attends qu'il disparaisse. Maintenant, on me resserre petit. Je vais te trouver et te tuer. J'ai enregistré juste avant de l'aggro, ouais ça. Faut surtout pas que je clique sur la save là maintenant. Ouais, là il y a l'autre côté. Ok, donc ça c'est bon. On va aller voir derrière le cimetière. On me resserre, t'es là. Meurs. Nice, 6 XP. J'ai pas de point vert mauvais pour la vertu déjà. Cœur des ombres. Corne des ombres. Il y a un des deux objets à mon avis qui passe d'office chez le. Les cornes d'un nombre serre, une des créatures les plus singulières des royaumes, qui passe chez le l'ermite. Qui rachète tout à prix élevé, entre guillemets. Alors, vas-y. Vous pouvez me donner tout ce que vous avez. Alors, j'ai les bois de l'ombre serre. Cela dépend de la récompense. Prenez-les et retournez auprès de votre femme. Qu'est-ce que je peux dire? Mais oui, en effet, comment voyez-vous? Non, je n'ose le demander. Quels jours heureux, ma femme serait guérie. Puis-je les prendre, camarade? Cela dépend de la récompense. Certainement, prenez-les. Cela dépend de la récompense. Est-ce que je vais. Non, on va faire ça dans le gentil. 7 points vers bon. Mais je perds les 200 XP. 300 XP. Oh bah non, ça, ça vaut carrément le coup. Non. Non, c'est pas grave. Ah oui. Ah oui, donc j'ai bien fait de tester quand même, hein. Save. Ah oui, nice. Alors sinon l'autre c'était il fuyait mais il disparaissait, c'est ça? Maintenant ce serait. Bah oui, oui c'est ça. Il fuyait, je pouvais pas le récupérer. Ouais ouais ouais, bah ça vaut le coup quand même. Hein. 7 points verbons, nice quoi. Et 300 XP.
Je pensais que ça donnait des points vers Moby. J'étais sûr qu'il était méchant ce mec là. Pas du tout, autant mieux. Et du coup, c'est quoi qu'elle a récupéré? C'était les bois, c'est ça? Donc il me reste le cœur. Ouais. Ok. Je pense que je pourrais en faire du cœur. Gardant en souvenir, mais j'essaierai quand même de le refiler à l'ermite. Je pense que tous les objets un petit peu spéciaux de. Mince. De l'extension là, de ce chapitre là, il les revend. Il les rachète. Ok. Les bois d'ombre serre, les cornes d'ombre serre ont été remises à Ferrand, qui en a besoin pour soigner sa femme souffrante. Il était particulièrement joyeux et a rejoint son épouse sans plus attendre. Après, c'est clair que si Ombre serre voulait bien me donner ses os, ses bois, pardon. Comme ça, ça serait vraiment pratique, mais bon. Hein. D'ailleurs, ça m'a exploré la petite zone orphelin ici, et du coup, il n'y a rien du tout. Ok, nickel. Écoutez, les gars, je vous laisse ici, et puis on se retrouve la prochaine fois pour commencer les mondes de Nether.